Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler produits terminés. Donc j'ai honte, j'ai honte. Il n'y a pas d'autres mots. Donc je vous avais promis au début de ma chaîne comme quoi j'allais faire une fois par mois en fait mes produits terminés. Et puis bah là, je sais pas, j'ai dû me laisser dépasser par les événements ou je ne sais quoi. Ça va faire depuis le mois de mai que je n'ai pas filmé de produits terminés. Mais au lieu de jeter mes produits, non, 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 je les ai gardés. Et bah écoutez, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voici mon sac. Donc, dedans, vous avez 3 mois de produits terminés. Et c'est juste une honte pour moi. Il y en a partout, donc là il faut vraiment que je vous fasse ça et que je vous en parle, puisque il y a pas mal de favoris à l'intérieur et je voulais vraiment partager ça avec vous. Alors voilà ce que je vais faire. Je pense que je vais faire 2 parties puisque ça va vraiment être trop trop long pour vous et pour moi. Et puis quand j'aurai fini tout ça, j'ai hâte de mettre tout ça à la poubelle. Alors, on commence tout de suite avec un premier produit qui est l'eau micellaire de chez Inel. Donc, peau sèche et sensible. Nettoie, démaquille, hydrate et tonifie. Donc, voilà. Donc, c'est un gros flacon de 50, de 500 millilitres, pardon. Pour moi, elle équivaut à la Keraline de chez Bioderma, bouchon rose. Donc je ne m'en sers pas pour me démaquiller. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'elle vaut en tant que démaquillant. Je l'utilise simplement pour nettoyer mon visage le matin lorsque je me lève en fait pour rafraîchir. Et elle est parfaite. Parfaite. J'ai eu aucune réaction, aucun bouton. Vraiment top 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 ce produit. Je racheterai, oui, ça c'est sûr. Pas pour l'instant, puisque là j'en ai une autre. Mais franchement, un gros 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 favori. Je pense que je vais mettre ça par terre. Je vous rassure, ça va pas faire trop de bruit, hein. Ah, tant pis. Ensuite, un gel douche de chez Cadom à l'huile d'amande douce bio pour peau délicate, donc sans parabène, sans savon. Donc c'est un flacon de 400 ml que j'avais eu au promo Beauté Leclerc. Et donc ce sont des gels douches que j'utilise pour mes enfants, puisque bah, écoutez, c'est doux, etc. Donc pour leur peau, c'est vraiment le top. Donc encore un gros favori que je rachèterai. Oui, à coup sûr. Et puis là, ça va être en fin septembre, ça va être les promos beauté de chez Leclerc. Donc, je vais de nouveau faire du stock. Ensuite, un très gros, gros, gros favori, c'est le patch nez au charbon de chez Sephora. Donc, soit on adore, soit on déteste. Moi, je l'ai adoré. Il fonctionne vraiment du tonnerre sur moi. J'en suis super, 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 super contente. Ça a vraiment détrôné tous les patchs que j'ai pu essayer. Par contre, un seul petit bémol, le prix. 2,50 €. C'est cher pour un patch. Par contre, là, j'ai fait du stock avec avec un code promo et bah écoutez, j'en suis super ravie. Donc dites-moi par contre vous en commentaire ce que ça a donné sur vous, parce que j'ai eu pas mal de retours comme quoi c'était ça ne marchait pas du tout. Et alors que sur moi, franchement, top, top, top. Un très 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 gros favori. Donc je rachète, bah oui, bien sûr. Hein. Ensuite, un nettoyant visage de la marque Kiehl's que j'ai dû avoir dans une Birchbox ou Glossybox. Donc c'était un petit flacon de 30 millilitres. Je l'ai adoré sans plus. Après, je pense que je ne rachèterai pas, puisque bah, des nettoyants, j'en ai plein plein à terminer. Et puis Kiehl's est une marque qui coûte relativement cher. Après, j'ai pas été voir le prix de ce nettoyant. Après, j'ai trouvé qu'il ne moussait pas assez au niveau du visage. Donc pour moi, après c'est vraiment mon avis, si le produit ne mousse pas pour un nettoyant visage, en fait, pour moi, je sais pas, j'aime pas.
Donc, je rachèterai non, certainement pas. Ensuite, c'est un soin intensif minute de la marque Dove Hair Therapy. Donc ça, je l'utilisais sur les cheveux de mes filles qui ont les cheveux très longs. Et donc c'était, vous aviez un après-shampoing et un soin à l'intérieur. Donc vous aviez un côté blanc, un côté jaune. Et ma foi, ça démêlait super bien les cheveux de mes enfants. Donc à racheter. Oui, si vraiment il y a une promo dessus, sinon non, puisque là elles sont en train d'utiliser un autre soin à base de karité et qui est pas mal non plus et beaucoup moins cher. Ensuite, j'ai terminé un parfum d'ambiance de la marque Mathilde M, donc de la marque Fleur de Coton. Mathilde M, j'en parle plus, j'adore ces parfums d'ambiance. Je les avais trouvés dans mon Leclerc au prix de 11 euros. 11 euros, donc c'était beaucoup, beaucoup moins cher que par dans un magasin de déco par chez moi. Et bah là, j'ai terminé tout ce que j'avais, donc à racheter, oui. Par contre, pas tout de suite, puisque j'en ai encore d'autres à tester. Ensuite, j'ai terminé mon déo Dove original, donc en grand flacon, puisque si vous me connaissez, je n'utilise pas de compressé, puisque je trouve que ça ne fonctionne pas, ça a moins d'efficacité. Après, c'est peut-être dans ma tête, hein, mais franchement, je reste à mes premières amours, donc le Dove original. Je rachète, oui, bien sûr, j'ai un stock phénoménal. Ensuite, j'ai terminé complément alimentaire de la marque Fort Capil Air Active, donc croissance, forte densité du cheveu. Donc là-dedans, vous aviez un traitement de 1 mois. Donc ça se vend par boîte, par grosse boîte en fait, pour 3 mois. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus sur mes compléments alimentaires pour mes cheveux, puisque là vous pouvez voir que là c'est un petit peu la catastrophe au niveau de mes cheveux, mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, puisque je pense que ça peut aider certaines filles qui ont des soucis capillaires comme les miens. Voilà. Sinon, top. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Cottage à l'ananas crème de coco. Donc, que dire, j'adore. Généralement, je les achète quand ils sont en promo, en lot. Et là, je referai mon stock au Beauté Leclerc fin septembre. J'adore. Ensuite, j'ai terminé mon Hydraphase Intense Yeux Concentré Réhydratant Défatigant de la marque La Roche-Posay. Donc, c'est un contour des yeux que vous pouvez appliquer soit en tant que sérum et après appliquer votre contour des yeux habituel, soit seul. Moi, je l'utilisais en combo, donc avec une crème pour les yeux. Ce petit tube m'a duré franchement plus de 6 mois. À racheter, pas pour l'instant puisque j'en teste un autre, mais franchement un très 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 bon produit. Si vous avez le contour des yeux qui a tendance à être déshydraté, allez-y, foncez, franchement un super produit. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les pieds de la marque Balea, donc que j'avais eu dans un DM en Allemagne. Une crème est vraiment géniale qui coûte rien du tout. J'avais fait du stock et là j'en ai plus. C'était vraiment une crème géniale. Moi j'ai horreur des crèmes pour les pieds qui vous savez ont une odeur mentholée. Et là ça avait une odeur de karité et franchement génial. Après à racheter, bah non, puisque par chez moi, même si j'habite dans le Pas-de-Calais, j'ai pas de DM. Et aller en Allemagne ou en Belgique, je crois que je peux trouver aussi en Belgique. Bah c'est pas possible. Mais bon, triste de l'avoir terminé. Un très bon produit. Si vous avez un DM près de chez vous, foncez et prenez la marque Balea. C'est une très bonne marque et de très bons produits pour très peu cher. Ensuite, j'ai terminé des cotons de la marque Pommette. Donc, c'est une
une marque que vous pouvez trouver à Intermarché, donc c'est des cotons pour bébé. J'étais tombée tout simplement sur une promo et ma foi, ils sont pas mal. Je les ai pris parce qu'ils, comme je vous disais, en promo. Sans la promo, je les achèterais pas parce qu'ils sont vraiment chers pour ce que c'est. Voilà. Ensuite, j'ai terminé lait pour le corps de la marque Mixa, donc c'est le 6 calais réparation avancée en flacon pompe que j'avais eu en produit à tester de la part de Leclerc en tant qu'ambassadrice beauté. Franchement, j'adore ce produit, ça m'a sauvé la peau, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment un super produit si vous avez la peau qui est déshydratée, la peau qui est sèche. Si votre peau a tendance à craqueler, franchement, un super bon produit. Ça coûte vraiment pas cher et ça fait vraiment des miracles. Donc, je rachèterai, oui, c'est sûr, il n'y a rien à dire. Je rachèterai à 1000% et je vous le recommande également à 1000%. Foncez. Ensuite, j'ai terminé un soin toilette intime de la marque Roger Cavaillès. Donc, je l'avais eu dans ma pharmacie. Donc, ça se présente hein, comme ça, hein, dans un petit flacon de 200 ml. Bah après, c'est cher pour ce que c'est, puisque moi, je l'avais payé 8,80€. Vous pouvez avoir beaucoup moins cher dans grande surface et qui fasse l'équivalent. Donc à racheter, non, puisque au niveau du prix, c'est exorbitant pour ce que c'est faire. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice Signal Intégral 8. Bah, ça fait bien son job. C'est le dentifrice que je prends tout le temps. J'ai fait un gros stock, donc franchement un top. Après white, dents plus blanches, j'ai pas vu mes dents qui ont blanchi comme ça du jour au lendemain. Mais sinon un très bon dentifrice, il fait bien son job. Ensuite, j'ai terminé un complément alimentaire, la mélatonine 1000, qui réduit le temps d'endormissement et qui atténue les effets du décalage horaire. Donc ça, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. C'est un complément alimentaire que je prends tous les soirs pour faciliter l'endormissement, puisque j'ai des gros soucis pour m'endormir. Là, je suis en train d'en tester un autre et ma foi, celui-ci coûte 5€ dans les parapharmacies Leclerc et c'est vraiment un très très bon produit que je recommande à toutes celles ou tous ceux qui ont des problèmes d'endormissement. Moi, généralement, je le prenais vers les 9h15, 9h et pour 10h, je commençais déjà à sentir les effets et comme j'ai besoin de beaucoup de temps de sommeil, et bien ce produit-là est vraiment génial. Donc c'est les laboratoires Forte Pharma qui font ce produit. Ensuite, j'ai terminé encore un complément alimentaire, donc qui est de la spiruline. Donc c'était des laboratoires Natureland. Dedans vous aviez 150 gélules. Donc c'était à prendre une gélule 3 fois par jour, donc matin, midi, soir. Je prenais ça pour booster mon immunité puisque j'ai eu de gros soucis de santé qui ont fait que mon immunité a baissé fortement. Et avec ce produit, je voyais vraiment la différence. J'étais beaucoup moins malade, enfin beaucoup moins malade, je veux dire au niveau des rhumes, etc., des angines, etc. Ça a eu un effet bénéfique sur moi. Demandez conseil à votre médecin pour prendre ce genre de produit. Après, vous pouvez trouver ça en parapharmacie Leclerc. Mais demandez quand même conseil à votre médecin puisque c'est vraiment axé sur l'immunité. Donc, tout le monde ne peut pas le prendre. Ensuite, j'ai terminé un gros flacon pompe de 750 ml de gel corps et cheveux hypoallergénique de la marque Cadom, donc pareil, donc ça c'est pour mes enfants. Top. Je vous dis, la marque Cadom, je n'achète que ça pour mes enfants. À racheter, oui, un très gros favori. Génial. Et puis flacon pompe, super. Top. Ensuite, j'ai terminé
Un gel nettoyant à la crème de soin de chez Mixa Peau Sensible. Donc j'avais déjà testé l'autre qui est pour les imperfections et celui-ci est beaucoup plus doux. Il est donc, comme il est noté, pour peau sensible. Ça élimine les impuretés et protège du dessèchement. Et c'est vraiment ça en fait. La crème est vraiment douce. Vous avez vraiment une sensation de peau qui est nettoyée mais qui reste souple et qui ne tiraille pas. Et c'est également un très bon produit que je rachèterai sans hésitation. Et que j'achète plutôt en lot lors des promos en fait. Puisque acheter à l'unité ça revient plus cher. Et je pense qu'il sera au promo Leclerc. Donc n'hésitez pas à tester. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant au cold cream de la marque Pond's. Donc j'avais payé ça. Donc c'est un petit pot de 99 grammes. Donc il n'y a pas grand-chose dedans. J'ai testé ça suite à une vidéo que j'avais vue de Sandrine Fairy Makeup et qui en vantait que du bien. Donc j'adore cette youtubeuse et j'ai eu envie de tester également et j'ai détesté. Alors si vous avez la peau qui est très très sèche, oui ça va vous aller. Mais moi qui ai la peau juste légèrement, enfin légèrement, on peut dire qu'elle est déshydratée ma peau. Mais ce produit en fait ça vous laisse un film gras, vous avez du mal à le rincer. C'est une crème qui est très très épaisse puisque c'est un cold cream. Donc c'est vraiment assez épais. Ça démaquille pas si bien que ça puisque vous pouvez l'utiliser aussi en tant que démaquillant. Franchement, je ne rachèterai pas. Et en plus, un petit pot comme ça coûte 10 euros et je l'avais eu sur Amazon. Après, je vous dis, si vous avez la peau très sèche, ça pourra vous convenir puisque ça va vraiment vous apporter un confort au niveau du visage. Mais pour moi, ça n'a pas du tout convenu. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Bah, je ne rachèterai pas, c'est sûr et certain. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là pour la première partie des produits terminés, puisque là on est déjà à 17 minutes et je trouve que c'est vraiment déjà bien pour une première partie. Restez connectés pour avoir la deuxième partie des produits. Et puis bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des produits, si vous avez testé certains produits, si vous avez aimé, pas aimé. Écoutez, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!